Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Nous sommes tous des grenouilles. Nouvel entretien avec Tristan. Après Pluton, après Saturne, on s'attaque à Uranus aujourd'hui. Avec beaucoup de plaisir, je suis ravie de te revoir, Tristan, pour cet entretien. Pareil, bonjour tout le monde, ravi de te revoir aussi et bonjour à toute ta communauté et puis à la mienne puisque on publie chacun Oui, sur son site. tout à fait. Et je suis ravi aussi de poursuivre ces petits entretiens avec ce nouveau sujet du moment. Oui, Uranus, une planète qui nous, un astre qui nous relie à notre partie plus rebelle, à notre émancipation. Ça, c'est une planète sympa quand même. Donc, bah, pour continuer. Uranus, comme avec qu'on a fait avec Saturne et Pluton, ce qui serait sympa, c'est de faire un petit débrief sur son sa symbolique, ce qu'elle représente pour nous dans un thème, et puis dans le collectif aussi, parce qu'il y a le thème individuel, mais il y a aussi le collectif et son histoire. Son histoire de quand est-ce qu'on l'a découvert et qu'est-ce que à quel moment on était les consciences quand cet astre a été découvert en fait. Alors, Uranus, déjà, c'est sur l'ensemble des astres du système solaire que l'on utilise, qu'on étudie en astrologie, c'est le premier astre que l'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, qui n'a pas été observé autrement qu'à la lunette. Et sa découverte donc, va correspondre à un moment en fait, où l'humanité accède dans sa conscience à une part d'elle qui n'est pas visible à l'œil nu. Ça, c'est déjà un symbole vachement intéressant parce que Uranus est un astre qui ouvre une porte en fait, sur le monde spirituel ou sur la conscience que l'homme est un être fait non pas que de chair, mais avant tout est un être spirituel. Il ouvre la porte après Saturne des astres qu'on appelle transsaturniens, donc au-delà de Saturne, et qui commence à nous ouvrir à la conscience que nous sommes des êtres d'esprit et pas que des êtres de chair et de matière. Donc ça, déjà, c'est un point que je trouve très symbolique et très important, c'est de bien voir qu'il y a cette différence entre ce que l'on peut voir. Et puis ce que l'on ne voit pas, ou en tout cas sur lequel la vision n'est pas évidente et pas immédiate. Donc, en dessous de Saturne, les astres que l'on voit sont tous des astres avec lesquels on est assez familier dans notre fonctionnement dans la matière, en fait. D'abord, des choses qui nous concernent directement et premièrement, comme le Soleil, notre énergie de vie, puis les premiers astres qu'on dit personnels, parce qu'ils nous touchent beaucoup sur notre manière de penser, de ressentir, nos désirs, etc. Tu vois, tout ce qui est Mercure, Vénus, les émotions avec la Lune. Et puis ensuite, des astres un peu plus civilisationnels, un petit peu plus larges, qui vont plutôt concerner notre comportement dans la société, comme Jupiter et Saturne. Et au-delà, en fait, au-delà de Saturne, on a atteint, en fait, toutes les formes de conscience qui nous permettent d'être fonctionnels en tant qu'individus dans une société. En gros, pour le résumer, Jupiter qui est la justice et Saturne qui est la loi intérieure, la rectitude, l'intégrité, etc., la souveraineté qu'on peut incarner, c'est-à-dire sa loi intérieure que l'on incarne. Ou la responsabilité individuelle bien comprise chacun, en fait, si on vivait dans une société où tout le monde respectait la loi et que en même temps chacun était responsable et intègre, pas de problème. La société est déjà fonctionnelle en fait. On a déjà tous les outils pour. Avec ces formes de conscience-là. Donc quand on va au-delà, on va vers en fait un détachement par rapport à la matière. Une compréhension que notre vie ne se résume pas à des êtres de chair et de matière, qui doivent fonctionner en eux-mêmes, qui doivent fonctionner dans la société, qui ont des besoins physiologiques, etc. Donc j'étais en train de dire que Uranus, c'est une énergie qui nous amène vraiment, du coup, à cette forme d'émancipation première. Tout à l'heure, tu as dit révolte un peu. On va voir pourquoi aussi on peut le vivre sous forme de révolte et pas forcément toujours avec cette conscience
émancipatrice, mais c'est une émancipation par rapport à la condition matérielle, en fait. Et cette énergie uranienne, donc émancipatrice, libératrice, etc., arrive à la conscience de l'humanité à la fin du XVIIIe siècle, vers 1780 quelque chose, je n'ai plus la date exacte en tête. Je crois que c'est 82, mais je ne suis pas sûr, mais c'est peut-être une bêtise, il faut vérifier. Et donc, elle arrive au moment où, en Occident, l'Europe est en train d'amorcer de plusieurs manières, puis les Amériques aussi, un grand mouvement de libération par rapport au pouvoir souverain qui était des énergies saturniennes. Et c'est l'arrivée, en fait, d'émancipation des États-Unis par rapport à l'Angleterre, où ils deviennent libres et indépendants, même d'une certaine manière de l'avènement d'une forme de royaume en Angleterre avec un parlement dans ces mêmes années-là, un peu avant. Et puis, en France, c'est la révolution de 1789 qui va faire tache d'huile progressivement et qui va donc libérer progressivement les sociétés, les nations d'un pouvoir souverain absolu vers des formes plus démocratiques ou en tout cas qui amènent la capacité d'entreprise. C'est ça le grand sujet de la révolution de 1789, c'est donner à l'individu qui était un petit peu dans des castes, qui récupérait le métier de son père, etc., d'ouvrir la capacité d'entreprise à tout le monde de même manière. Donc c'est une révolution bourgeoise, hein, des gens qui ont envie de pouvoir s'émanciper, d'avoir une autorisation pour faire ci ou pour faire ça, et donc qui se libèrent. Donc, on est donc dans ce contexte, Uranus vient à la conscience de l'humanité. Quand l'humanité s'émancipe du symbole du pouvoir souverain qui est l'héritage, en fait. Tu reçois une charge par héritage. Donc le roi, il reçoit la charge de son royaume par héritage. Et puis toute la société était un peu construite comme ça sur des silotages qui étaient liés à la filiation. Et là, on s'émancipe de ça. Et tu peux être fils de cordonnier et devenir médecin. Voilà. Ce qui avant n'était pas imaginable. Ouais. Ouais, donc c'est pas un petit, c'est un gros changement en fait à ce moment-là de société. C'est un gros changement. Et ça montre aussi bah, justement cette force en termes d'énergie que donne Uranus et que peut porter Uranus dans un thème individuel ou dans le thème mondial, on va dire, enfin collectif. Voilà, donc on sait aujourd'hui, enfin, Uranus, pardon, mais 6-7 ans a traversé un signe, donc c'est pas une petite traversée. Et quand il rentre dans un signe, ben on a bien le temps de travailler cette conscience en fait à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui se joue quel que soit le signe que notre Uranus traverse, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là sur un plan d'abord peut-être collectif? Peut-être on pourrait parler de ça. Déjà sur un plan collectif, qu'est-ce que ça vient mettre en avant l'arrivée d'Uranus dans un signe au jour, enfin voilà, dans l'histoire mondiale, quoi. Le principe d'Uranus, c'est toujours le même, c'est de rechercher, enfin de permettre une émancipation et une libération par rapport à quelque chose qui était contraint ou en esclavage ou ce que tu veux. Par exemple, quand Uranus est passé dans le bélier, on a eu le printemps arabe. En même temps, Uranus, Jupiter dans le bélier, pouf, ça a fait des petites révolutions et ça a fait le printemps arabe. Alors, il est resté 7 ans dans le bélier, donc à peu près, enfin, j'ai pas la durée exacte en tête, mais c'est vrai que la moyenne c'est 7 ans parce que il fait un tour du zodiaque en 84 ans. Donc, c'est un point important aussi, C'est intéressant aussi, 84 révolution ans. d'Uranus, c'est à peu près aujourd'hui notre longévité en Occident. Et à mon avis, c'est pas un hasard. C'est un hasard si on est passé
à ce stade et qu'il y a une espèce de plafond de verre dans notre moyenne. Il y a des gens qui vont au-delà et Oui. qui vont bien en dessous. Mais dans une espérance de vie, aujourd'hui, on est passé à une espérance de vie qui nous permet de faire un cycle complet d'Uranus et qui voudrait dire en fait qui nous permet de parcourir une forme d'émancipation de notre être sous toutes ses formes, sur toutes les expériences de vie du zodiaque, pour arriver en fin de vie avec une conscience où l'esprit a repris le dessus sur la matière. Il meurt à 30 ans, il meurt à 40 ans dans les mines, c'est pas la même chose que si tu as pu faire un cycle de vie complet et expérimenter toutes ces formes-là. Donc, Ouais. quand Uranus arrive dans un signe ou dans un espace de notre thème de naissance, il va en fait bousculer ce qui est à l'intérieur. Son mode opératoire, c'est un mode souvent on dit qu'il est explosif, soudain, rapide. C'est une énergie qui est assez rapide en fait. C'est pour ça que elle est associée à des mouvements de révolte, par exemple. Si tu regardes ce qui se passe aujourd'hui avec Uranus en Taureau, le Taureau, si tu le prends sur le plan mondial, c'est la ressource de la Terre. Si tu veux faire la différence entre un thème de naissance et une vision mondiale, tu penses les maisons et les signes en correspondance, certes, mais sur le plan mondial. Donc, Ouais. la maison 2 d'un thème de naissance, c'est les ressources propres. Le taureau, en tant que deuxième signe, ce sont les ressources de la Terre. D'accord. Et dans notre rapport à ces ressources, par exemple, il y a la gestion de la monnaie. Regarde ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la fin du passage d'Uranus en taureau. On est en train de bouleverser un ordre qui est là depuis des dizaines et des dizaines d'années de domination du dollar sur le monde. De la même manière qu'on a vécu des perturbations très fortes sur nos accès aux ressources, avec des explosions d'oléoducs, avec une guerre, etc., qui est très centrée sur la notion des ressources naturelles, avec des menaces de pénurie tout le temps, des choses qui ont traîné comme ça pendant plusieurs années, où on a vu en fait notre rapport aux ressources se modifier, et en même temps, si on regarde bien, ce qui se passe sur le plan mondial, le fait de ne plus être soumis au dollar, c'est une forme d'émancipation. Il y a une partie de la planète qui est en train de s'émanciper d'une domination absolue, d'une façon de gérer la ressource et la monnaie sur la Terre. Tu vois? Pour moi, le passage d'Uranus en taureau, sa finalité, c'est d'amener à ça. Sur le plan mondial, on voit bien comment ça fonctionne, comme dans le passage précédent dont j'ai parlé tout à l'heure avec les printemps arabes, c'était pas que le seul événement, mais l'idée c'était plus que l'individu s'émancipe, que l'individualité s'émancipe. Tu vois, c'était très surprenant le printemps arabe, même s'il y a pu avoir des manipulations diverses et variées, mais peu importe. C'était très surprenant parce que les peuples de ces pays-là sont beaucoup plus dans des habitudes, dans une forme de soumission, ou l'étaient beaucoup plus. Et de les voir se réveiller aussi fortement, c'était vraiment quelque chose de très surprenant. C'était l'individu qui reprenait sa liberté et qui disait, bah, non, je suis pas d'accord. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là qui était très fort. Sur un plan individuel, le passage d'Uranus, par exemple dans les maisons cette fois-ci, il va, dans ce que j'ai pu observer dans des cours que je fais, en premier lieu, Uranus va toujours agir comme là où il se passe, on a une fixation en pensant que à cet endroit-là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour se libérer, c'est-à-dire on considère l'objet comme un objet émancipateur. Je sais pas si OK. je veux dire
Uranus passe dans ta maison 6, tu vas te focaliser sur ton travail en pensant que si tu fais bien ton job, ça va te libérer. D'accord? Et en fait, au final, tu vas te rendre compte que c'est de ton esclavage à ton travail dont il faut que tu te libères. Pareil, tu vois? Et dans le thème de naissance, c'est pareil, la fonction est la même. C'est-à-dire qu'on est d'abord très fixé sur la chose où se trouve Uranus, en y voyant quelque chose qui pourrait nous émanciper, nous libérer, etc. Et on apprend progressivement par des choses qui explosent, en fait, à se libérer de cette croyance qui cachait une forme d'asservissement. Parce que, en fait, et Uranus est une énergie transsaturnienne, c'est-à-dire que l'émancipation ne peut venir qu'à partir du moment où tu vis cette expérience avec une conscience spirituelle qui n'est pas attachée à un besoin matériel. Tu vois? Eh oui, ouais, c'est très intéressant. Je vais regarder ça sous cet angle-là. J'avais jamais regardé Uranus sous cet angle-là. Dans un thème, du coup, je suis en train de me dire, ah, attends, Uranus, Des ouf. il est en maison 9, tu vois, je me dis, oh, alors, où est-ce qu'il est l'objet, tu vois, voilà, on va commencer à faire la réflexion. Sans faire tout le roux, on peut faire juste ça, Uranus en maison 9. Donc, dans une Ouais. question de thème de naissance, ça veut dire que t'es élevé par la connaissance, apprendre des choses, élever ta conscience est synonyme pour toi d'une forme d'émancipation. Quelque chose qui peut te libérer d'un sentiment d'asservissement de soi quelque part. Et en même temps, quelque chose dont tu dois apprendre à te détacher, c'est-à-dire ne pas en attendre des gratifications matérielles, mais c'est juste une émancipation qui t'amène à te faire prendre conscience de ton essence spirituelle. Tu vois? Ça te parle? Ouais, c'est il y a un lien, je pense aussi, par exemple, dans mon histoire, en lien avec le fait d'avoir des diplômes ou Maison tu neuf, vois, c'est la maison des diplômes, tout à fait. ouais, et du coup, j'ai toujours raté les diplômes en fait, sauf les principaux. Et Mais des les diplômes qui demandaient des études supérieures, ceux-là, je les ai jamais obtenus. Il est enfin en début de maison. Il est en début. OK. Bon, les diplômes, souvent, je trouve qu'il se passe des choses à la fin des maisons, de la Ah maison, oui. mais peu importe. Bon, ça peut, en tout cas, ça me fait penser à ça, dans le sens où il y a comme une quête, de dire que par le diplôme, j'obtiens une forme de reconnaissance, légitimité. Bon, après, j'ai aussi Jupiter qui est conjoint à Uranus, donc il y a pas que Uranus tout seul, mais il y a quelque chose qui avait cette impression que voilà, ça pouvait peut-être me servir à ouvrir des portes. Et bon, la vie m'a montré que ça pouvait passer par d'autres canaux beaucoup moins conventionnels, voilà, on va dire. Et que ça avait autant de valeur. Ça, voilà. Donc ça fonctionne. Tu comprends le principe. Ouais. Ok, donc c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, voilà, c'est intéressant de regarder, voilà, où est notre Uranus dans la maison, déjà. Bah, quand c'est en individuel, c'est bien de regarder la maison. Et le signe aussi est intéressant, sachant que bah, voilà, on est sur 7 ans très nombreux à naître avec un Uranus en signe. Ce qui nous différencie, c'est la maison et le secteur de vie dans lequel il s'expérimente en fait. Mais en signe, il a quand même des choses à nous. Voilà, on a vu en Bélier par exemple le printemps arabe. Il y a eu là en Taureau, donc on est. J'essaie de me rappeler la date d'entrée d'Uranus en Taureau parce que là on est jusqu'en 2026, je crois. Donc c'était en 2019 quoi, 2018. Oui, quelque chose comme ça. J'ai pas la date en tête non plus, mais Voilà. non. Donc on est dedans quoi là en Taureau jusqu'en 2026, donc on voit bien qu'on est, enfin moi personnellement je sens bien me travailler individuellement
sur mon rapport à la matière, parce que aussi j'ai une maison 2 en taureau, donc je suis bien alignée avec le truc, mais c'est vrai qu'on est poussé à élever notre conscience au-delà de ce qui est matériel avec cette entrée-là, et ça génère. Alors, ce que je oui, pendant que tu parlais, je me disais, tiens, on pourrait le faire pour Pluton aussi, Saturne qu'on a visité, et on l'a pas évoqué ça, mais quelle est l'émotion ou les peurs ou les sentiments qui sont en lien avec Uranus, par exemple, qui traverse ça va être plus quelque chose de l'ordre de la colère, de tu vois, je me demandais s'il y avait des liens comme ça, émotionnels ou Directement, je pense pas. Je non, pense ouais. que le signe est important. Ouais, selon le signe, quoi. En fait, par Uranus en taureau, ce que ça fait bouger, c'est une forme régressive du taureau. Forme régressive du taureau, c'est rester dans des habitudes, rester figé, immobile sur des choses, et avoir peur, en fait, du changement. Et donc le passage d'Uranus en taureau va bousculer ça. Donc ça va bousculer par exemple les taureaux, les gens qui sont du taureau, dans leur bonhomie tranquille, où ils n'ont pas forcément envie que ça bouge parce qu'ils ont un rapport à la matière qui est jouissif, et ben en fait ils ont été bousculés là-dedans. Ce n'est pas lié à une émotion propre à Uranus, mais plus à quelque chose qui est propre au signe lui-même. Et nous-mêmes, quand on reçoit aujourd'hui Uranus dans le signe du taureau, là où ça se trouve dans notre thème, on a des habitudes, des fixations qui ne peuvent pas évoluer et qui ont besoin d'exploser pour ouvrir un autre système de rapport au concret, à la matière, à l'émancipation pacifique dans le rapport au vivant. Et c'est plus à ce niveau-là qu'il faut le regarder, à mon avis, c'est-à-dire que à chaque fois dans chaque signe, tu vas te rendre compte que le mode opératoire reste le même, il y a quelque chose qui explose, mais ce que ça peut générer va plus venir du signe qu'autre chose. C'est-à-dire que l'Uranus dans le taureau, c'est vraiment si je reste dans une vibration constante et que j'essaie de maintenir un état de tranquillité et d'éviter le changement dans mon rapport à la matière, pouf, ça explose. Ça explose pour libérer quelque chose. Quand c'est dans le bélier, ben, il y a peut-être eu quelque chose plus en rapport avec justement la volonté, la colère, etc. Parce que c'est une notion plus proche de ça, alors que dans un signe comme le taureau, c'était peut-être plus faire sauter quelque chose qui aurait pu rester encore des années en mode je déprime dans mon coin, mais rien ne bouge. Voilà. Et là, ça a fait sauter les choses. Ok, ouais, c'est très clair. Et sans transition, il y a une configuration qui est aujourd'hui d'actualité, enfin qui était surtout il y a quelques jours, quelques semaines d'actualité, qui est en train de se détendre peut-être un peu, mais on tenait à en parler. En tout cas, c'était ce lien avec d'Uranus avec les nœuds lunaires. Donc ça, voilà, je te laisse embrayer là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on avait envie d'aborder ensemble sur cette vidéo. Oui, les nœuds lunaires, ils restent 18 mois dans un signe, donc c'est beaucoup plus rapide que le passage d'Uranus. Mais donc, actuellement, ils ont traversé le taureau, ils le traversent dans le sens inverse du zodiaque. Donc là, il remonte vers le bélier, mais bon, pas vers les Gémeaux. Donc, ils sont déjà croisés. Il y a déjà pas mal de distance entre les deux. Le point qui m'intéressait de développer autour de ça, c'est quand on a pris conscience du chemin de vie et des nœuds lunaires, on sait que une période où le nœud nord est en taureau, elle nous demande d'apaiser quelque chose.
De retrouver du calme en soi, de retrouver un rapport sain par rapport à la matière et de s'apaiser versus être tout le temps en train de brasser des émotions fortes, voire de la paranoïa, de la suspicion, voilà, brasser de l'intérieur en permanence avec le nœud sud en scorpion. La particularité de ce qu'on a traversé là pendant ces 18 mois qui sont en train de se terminer, c'est que avec le passage d'Uranus, il y avait quelque chose d'incompréhensible parce que quelque chose qui explose, ça crée du bouleversement émotionnel en fait. Une stabilité qui explose, la guerre, paf. Des incertitudes sur les ressources, il n'y a plus de moutarde, oh, au secours. Ces trucs-là qui ont été compliqués à vivre, ils ont été aussi liés au fait que, OK, faut aller vers l'énergie du taureau, mais tout est instable autour de nous. Vachement difficile. Mais en fait, ça faisait partie de cette configuration, c'est-à-dire que l'idée, c'était de, c'est, et c'est encore, hein, on peut le dire, on peut encore le dire au présent, de trouver un apaisement en nous, dans notre rapport à la matière, à la terre, aux ressources, au concret, etc. Mais avec l'acceptation qu'il y a quelque chose à défaire, à décloisonner, à faire exploser. C'est-à-dire que la paix ne se retrouve aujourd'hui que quand on a accepté de la déconstruire, de faire exploser un immobilisme dans lequel on était enfermé, qui était un ersatz de paix, de tranquillité, mais en fait, en profondeur, ne l'était pas du tout. Donc, on a un peu traversé cette période-là où tout ce cheminement nous a amené à retrouver quelque chose de plus tranquille en nous-mêmes, mais en acceptant de faire bouger des choses, en acceptant de faire exploser des vieilles habitudes, de prendre des risques qu'on ne voulait pas prendre, de bouger des constructions matérielles auxquelles on ne voulait pas toucher, ou des choses comme ça. Ça, c'était un peu la singularité de ce passage d'une nord en taureau, c'est qu'il n'était pas tout seul dans le taureau, donc il fallait arriver à combiner. Nécessaire émancipation de vieillerie pour retrouver un apaisement. Mais oui, c'est Là, ça. je l'ai vu partout en consultation, dans toutes les maisons. À chaque fois, il y avait ce truc de ça bouge, mais en même temps, c'est nécessaire que ça bouge pour retrouver la paix. Et si ça bouge pas, ça devient de plus en plus tendu, en fait. Et oui, le temps que ça bouge et que ça change, ça génère les émotions du scorpion, finalement, ça réveille ces remous émotionnels. Donc il y a ce temps de la transition qui est un peu chaude à gérer, en fait, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui finalement se remette en place dû au changement. Oui, je trouve que c'est hyper parlant. Moi, autour de moi, beaucoup disaient, je sens que j'ai pas le choix, en fait. On me laisse, enfin, il y a toujours le choix. Mais il y a quelque chose qui pousse plus fort, qui dit, là, c'est soit je fais quelque chose, soit ça marche plus, quoi, en fait. Et on est un peu, moi, j'avais l'impression des fois où on est comme un gros coup de pied au cul qui nous fait sortir vraiment du truc parce que c'est ça. Et soit tu résistes à ça et tu peux, mais. C'est assez douloureux. Soit tu oses franchir le pas, et il y a là, il y a ce temps de latence qui peut être très déstabilisant, qui réveille les peurs et tout ça. Mais c'est sûr qu'une fois que ça a été franchi, il y a en effet l'apaisement qui vient en suivant. Et peut-être aussi, bah, du coup, une reconstruction derrière qui doit se faire avec le nouveau en fait et sans trop savoir un peu la forme que ça peut prendre. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi, c'est qu'il y a comme s'il y avait des choses à créer de nouveau dont la forme n'est pas vraiment consciente. Est-ce que ça peut être en lien Il y a quelque chose dans la construction de l'énergie d'Uranus qui amène un renouveau, puisque ça libère et émancipe.
Et en fait, la base de ce renouveau, elle est toujours de d'avoir nettoyé quelque chose d'ancien qui finalement était devenu une forme de prison, quelque chose qui nous a servi en fait, qui nous limite dans notre expression personnelle. Des gens que j'ai eu souvent, enfin des cas de gens que j'ai eu souvent, c'est des générations de gens qui ont Uranus en balance. Uranus en balance, en fait, c'est des gens qui s'émancipent des conventions. Et qui en même temps au départ sont attachés aux règles, conventions, etc. Mais pour mieux s'en émanciper après. L'objectif, c'est pas de détruire toute forme de règles harmonieuses dans la société, c'est de s'émanciper des règles qui en fait deviennent des carcans et ne permettent plus d'exprimer clairement quelque chose, enfin, sont plus à jour par rapport au sens de l'équilibre, de l'harmonie à un moment donné, en fait. Pareil dans tous les signes. Il y a cette idée de la face sombre du signe qui, avec le temps, s'est endormie et est devenue quelque chose de lourd. En fait, Uranus vient mettre un coup d'explosion dedans, en fait, pour qu'on se défasse de ça comme d'une vieille peau et retrouver une nouvelle jeunesse dans notre rapport à cette énergie-là, qui est plus libre, en fait. C'est, en fait, en parlant, j'ai presque comme une sensation quand je dis vieille peau, d'animal qui mue. Qui mue, ouais. Qui mue, c'est-à-dire que pour grandir dans notre espace en conscience, à un moment, la peau, Ouais. est Elle devenue, devient trop petite. elle est plus assez élastique, elle ne permet Ouais. plus d'avoir une souplesse dans l'existence. Et l'énergie d'Uranus, c'est vraiment faire exploser cette vieille peau. Et retrouver un nouveau rapport à la vie et à l'énergie d'un signe ou je ne sais quoi pour permettre un nouveau développement. Et pour moi, il va toujours plus loin dans une prise de conscience de notre essence profondément spirituelle. Et profondément spirituelle, pour moi, ça veut dire d'avoir conscience qu'on est énergie avant d'être matière. Et donc de libérer quelque chose qui permet de libérer un peu plus d'énergie pour que notre expérience dans la matière soit un peu moins enfermée dans cette construction. Et quelle serait la face sombre d'Uranus? Là, on parle surtout de son côté émancipé, mais on peut aussi le vivre d'une manière Oui. moins consciente, on va dire. Une forme de révolte inconsciente, c'est-à-dire le sentiment qu'il faut absolument se libérer de quelque chose, enfin, peut-être même pas un sentiment, c'est une pulsion. Tu vois, par exemple, les gens qui ont Uranus conjoint au Soleil, ils ressentent très très fortement le besoin d'être libre. Ou chez certaines personnes, c'est intéressant aussi de le voir sur le milieu du ciel. Il y a des acteurs, notamment Steve McQueen, avait Uranus au milieu du ciel, et c'est un mec qui a incarné des gens qui se libèrent. Il a fait la grande évasion, il a fait Papillon, et le gars qui est libre, autonome, il veut, c'est une tête brûlée qui n'en fait qu'à sa tête, en fait. Vraiment, personne qui incarne un homme libre, émancipé. Et donc, en fait, pardon, ta question, c'était la face sombre d'Uranus, c'est que si tu le fais uniquement pour te libérer de toute forme de contrainte, donc, en fait, tu vas utiliser l'énergie d'Uranus pour te libérer du joug de Saturne. Donc, c'est une forme régressive, en fait. Je ne veux pas assumer mes responsabilités, je veux être libre. D'accord? L'évolution de la conscience peut marcher de manière lumineuse
que si à chaque couche, tu as intégré et tu as pris en charge les choses. Donc, si tu utilises Uranus juste pour te libérer d'une contrainte et de ne pas assumer une responsabilité, ben, en fait, ce qui va se manifester, c'est quelque chose qui va être explosif et qui va envoyer du sang sur les murs, mais ça va te Oui, c'est revenir avec la même violence. l'anarchie, quoi. Une forme d'anarchie, ouais, si tu veux. Alors que une forme d'Uranus intégrée, consciente, ne rejette pas la responsabilité, mais l'intègre. Donc, c'est j'intègre ma responsabilité dans la matière, ok. Ah, j'ai des contraintes, ah, j'ai des choses qui me plaisent pas, j'ai un schéma de vie qui peut avoir des contraintes et une certaine lourdeur à un certain endroit, ok, mais je reste libre. Je suis, en tant qu'être pensant, individualité, conscience, libre, même si j'ai des contraintes dans la matière. Ouais. Et donc là, tu peux utiliser l'énergie uranienne d'une manière qui est lumineuse pour toi, pour les autres, parce que tu n'es pas dans le rejet, tu l'utilises pas comme un outil pour juste t'échapper de quelque chose. Oui, c'est ça. Moi, quand j'avais vu le film Captain Fantastic, si tu connais ce film, je trouve qu'il reflétait beaucoup cette énergie un peu marginale, en fait, finalement, d'un homme qui veut absolument que ses enfants vivent en dehors de la société telle qu'elle existe de consommation. Et qui, à un moment, a plus le choix, en fait. Il ne peut plus être en dehors de la société. Il faut qu'il remette les pieds dedans. La vie l'invite à remettre les pieds dedans. Et il se retrouve confronté à, bah, évidemment, toute la violence du monde dont il ne voulait pas, mais à devoir l'intégrer, en fait, et à plus essayer d'être à côté. Et je trouve que ce film, moi, quand je le vois, il me fait penser à cette énergie uranienne, même aussi Verseau, hein, Uranus est en lien avec le Verseau. Je trouve qu'on retrouve ces énergies Saturne, Uranus, Verseau dans ce film qui nous montre à quel point parfois, ben, là où on veut être libre et indépendant, ben, on crée notre propre prison parce que pour le coup, pour ces enfants, c'était pas forcément la meilleure des formes. Je connais pas du tout. Il est très beau ce film, il est très très beau. Je te conseille de le voir. Il parle de ça, en fait. De ce truc, vraiment, comment avec des valeurs, des convictions fortes, je peux essayer de pas rentrer dans le moule, en fait, du monde qui m'exaspère, au point d'en devenir marginal. Et du coup, voilà. Donc, c'est vraiment un film que je recommande, en tout cas, ceux qui n'ont pas vu Captain Fantastic. C'est vraiment un très beau, très belle leçon, je trouve, en termes de choix et de responsabilité individuelle, et en même temps de s'émanciper et de s'affranchir sans tout faire péter, en fait. Parce que juste, il y a des contraintes. Et d'ailleurs, on avait fait un entretien, c'était notre premier, sur le conditionnement. Nous sommes tous des grenouilles, ça parle de ça, hein, beaucoup. Et si vous voulez la revoir aussi, cette vidéo, accepter que nous naissons avec des conditions, en fait, de naissance, bah, ça fait partie, en fait, c'est là qu'on se rend compte que ça fait partie de la vie, simplement. En effet, il faut les intégrer dans nos vies, plutôt qu'essayer de croire qu'on peut ne plus être conditionné, en fait. Cet entretien est très intéressant autour de ça, je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Est-ce que à ce stade, ben, on arrive vers la fin, est-ce que toi, Tristan, tu aurais envie de rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué sur Uranus, ou si tu as envie d'ajouter autre chose en dehors du sujet de la vidéo? Alors, juste en t'écoutant parler d'un film, ça me rappelait une autre histoire, mais qui est aussi racontée dans un film, mais qui parle d'un personnage célèbre, qui est Mandela, et que je cite souvent quand je parle d'Uranus.
Non pas parce que j'ai étudié son thème et que Uranus était une position ou blablabla et j'ai plein de choses à raconter dessus. Je sais même pas où c'est dans son thème. Enfin, qu'un jour je m'y colle. Mais en fait, c'est quelqu'un qui montre pour moi ce fonctionnement d'une personne qui élève son esprit au-dessus de sa contrainte. Il passe 25 ans en prison, il aurait pu s'effondrer, et en fait, il reste libre dans sa contrainte. Et dans son histoire, dans le film sur lui, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, je sais plus son titre. Ou alors il l'a raconté, je sais plus où j'ai entendu ça. En fait, il s'amusait à faire marcher ses gardiens à son pas. Il se mettait dans un pas et il faisait marcher les gardiens à son pas, en fait. Il s'amusait à faire marcher ses geôliers au pas, mais le sien. En fait, j'ai trouvé son histoire symbolique d'une personne qui a intégré une fonction uranienne profondément, c'est-à-dire qui, malgré le vieillissement, malgré l'enfermement, malgré la contrainte de vie, est resté en lien avec lui-même. Et a compris qu'il n'était pas défini par ce qu'il était en train de traverser. C'est une Ouais. figure pour moi qui est importante. C'est vrai. Ouais, c'est impressionnant. Son parcours impose le respect en termes de confiance aussi en la vie et d'assumer pleinement ce qu'il vit, de vivre bien, en tout cas, mieux qu'il pouvait. D'avoir cette conscience que la vie matérielle ne détermine pas notre conscience. Elle lui permet de faire une expérience. Elle peut aussi, on peut plonger dedans et puis en souffrir et sombrer plus ou moins. C'est possible, mais on n'est pas obligé. On peut aussi rester au-dessus de cette expérience-là. Et ben merci Tristan pour ce moment uranien. Merci Sophie. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée, peu importe à l'heure où vous écoutez, où vous visionnez cette vidéo. Et puis à bientôt pour d'autres aventures. Puis un bel Salut été. Tristan. Un Et bel un été. bel été, ouais. Ouais. À tout le monde si on arrive à la mettre en ligne avant l'hiver. C'est ça. On est de plus en plus rapide, hein, quand même. Je trouve Voilà, qu'on est pas mal. merci Sophie. Merci à toi, salut à tous.